Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 27. Voilà, jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini. Ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux. Amour, santé, finances et juridiques, dans un délai le plus bref. Ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé une arcane majeure, la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Eh bien voilà la lune. Sentez-vous bien à l'aise hein, pour ceux que ça parle, et ça parlera pas à d'autres. L'archange Haniel est associé à l'inconscient, à l'intuition et à vos dons divins. Elle peut vous aider à percevoir la vérité dans n'importe quelle situation. La lune, vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est caché, c'est sous-jacent, c'est des choses qui nous sont cachées. Pour certains d'entre vous, vous êtes une personne étonnamment intuitive et divinement douée. Et parfois, on prend conscience de certaines choses à l'œuvre dans l'univers, eh bien, sans les comprendre entièrement. C'est normal. Peut-être les messages que vous recevez prennent-ils la forme de synchronicité, de révélations paranormales ou de rêves encore nocturnes qui semblent particulièrement réalistes ou puissants. On vous invite à ne pas vous laisser impressionner, n'est-ce pas? Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Demandez plutôt à vos anges de vous donner des messages clairs et facilement compréhensibles. On vous invite aussi à être attentif quand votre petit doigt vous dit que quelque chose ou quelqu'un n'est pas tout à fait ce qu'il semble. Délectez-vous du clair de lune magique et laissez-vous guider par vos dons divins. Sachez dans votre cœur que tout sera très bientôt révélé. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez à votre ange gardien. Demandez à quelqu'un de vous faire de vous éclairer. De quelqu'un de confiance. Si un aspect de votre vie ne vous convient plus, eh bien, vous devez faire confiance à votre ressenti, vraiment. Et vous devez apporter les changements nécessaires à votre bien-être, n'est-ce pas? En fin de compte, votre inquiétude est inutile et vos peurs injustifiées. Si vous êtes tenté de laisser ces émotions prendre le dessus, eh bien, on vous demande de ne pas céder à la tentation. Ce sont vos dons hein, qui ont attiré votre attention sur ce sujet. Soyez-en sûrs. Hein. Et bientôt, vous saurez tout ce qu'il y a
à savoir, le jour est arrivé, tout ce qu'on vous a caché, tout ce qu'on vous a tu, tout ce qu'on les non-dit, eh bien, vont faire surface. Vous allez savoir. Ce qui vous permettra, n'est-ce pas, d'avancer. Et peut-être il y a des choses que vous ne voyez, que vous n'avez pas vues et que vous allez voir. Et de ce fait, vous n'allez plus avoir peur. Il y a des informations cachées qui vont être révélées. Ça va vous guider dans votre cheminement. Vous allez peut-être, on va peut-être vous détailler quelque chose dans vos rêves nocturnes. Vous allez peut-être rêver de, les jours qui suivront, eh bien, c'est à ce moment-là que ça va se révéler. Mais vous allez peut-être avoir la primeur dans vos rêves nocturnes. Voilà pour la lune. Alors, je tire dans le petit oracle des anges gardiens. Ange gardien. Et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous les désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, la patience va payer parce que vous allez avoir des choses. On va vous dévoiler des choses. Donc cette patience que vous avez eue, elle va être récompensée. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et puis moi, je vous embrasse. À demain. Thank you.